T'inquiète pas, cerveau, t'inquiète pas. Normalement, le plancher, on le voit pas, t'inquiète pas. Dommage, ça arrive pas bien au niveau, dommage. Il y a un truc qui me gêne, c'est ce trou là. Oh putain, bonne chance. Bonne chance, mec. Ouais, là, c'est bon, il restera le trou. J'ai eu peur, il me fait une sauvegarde d'écran noir aussi long. Ok. Bonne chance. Ça fait 3. Ça fait 4. On arrive à la fin, on arrive à la fin. Attention, attention, voilà pourquoi on fait attention. Ça fait quoi, Slaughter? Oh, c'est un moulin, c'est un moulin, c'est un moulin, c'est la fontaine moulin. Oh, oh, le truc de dingue. Et on peut faire n'importe quel dessin comme ça. Je voulais juste faire un truc vite fait. En fait, c'était un test, je voulais savoir si on pouvait faire des trucs comme ça. Donc oui, c'est possible. La fontaine de jouvence. Puis là, bah, je sais pas, tu mets des lumières ça, dans n'importe quel sens. Commence pas à se faire chier avec le sens, hein. C'est bon. J'en ai marre de me faire chier avec le sens maintenant, t'as compris que je me prends la tête depuis 2h30. Allez hop. Parce que la table, je l'ai fait vite, allez 2h. Je me prends la tête depuis 2h là-dessus, là, c'est bon quoi. Voilà, nique la symétrie avec les lampes. Exagéré là quand même. Allez. Allez, on va la tourner. On va la tourner. Hein. Ah, comme ça. Pff, wow. Bah, pour aller boire là-haut, tu bois pas là-haut. Voilà. Les récolteurs, je sais même pas pourquoi je les ai mis en vrai. J'aurais juste pu faire un mur, ça l'aurait fait, mais on n'aurait pas vu que c'était une fontaine. Alors j'aurais dû les faire plus bas. Ouais, c'est bon, c'est la première. Tu vas me pardonner quand même. Et puis les planchers là-bas, bah tant pis. Je vois que quand je charge la partie, ça change rien.
En revanche, la cheminée commence à péter les couilles. C'est quoi? C'est la traversée du toit qui te plaît pas? C'est pas possible d'être aussi chiant. Mais c'est compliqué la traversée du toit. Oh, il a déjà décalé ce mur en plus là. Non, je savais que mon pignon il allait sauter. J'ai pas sauvegardé, je crois, après avoir mis des lampes. Putain. J'ai envie de pisser en plus. Oh, fais chier. Allez, oh. Vas-y, je reviens. Mais va te faire niquer là. Regarde là, le fils de pute. Moi ça. Ça m'énerve. J'ai envie de tout péter. Je me pose une question. Attends, en train de pisser, j'ai en train de demander un truc en même temps. Attends, hey. Ça déjà, et t'as fait un trou dans le toit. Voilà pourquoi à chaque fois j'enlève le hole cutter pour le remettre, parce que maintenant il a fait un trou dans le toit. Donc tu veux faire des trous dans le toit? Ok, on va faire des trous dans le toit. Regarde comment on va faire des trous dans le toit. Regarde, je vais te faire un trou dans le toit, moi. Va niquer ta mère. Putain. Ah, ça fait plaisir. Putain, oh merde. Merde, ben le jeu il lag là aussi. Ouais, plus personne. Oh, 1h49, plus personne sur le jeu. Tu crois que si je joue ma partie au public, il va se passer quoi? Est-ce qu'il va vraiment y avoir un cheater de merde juste pour ma gueule? Ou juste sur la personne. Pourquoi tu rebalances cette musique? Je suis là.
façon, là, tout ce qui reste, c'est pas dur à faire. Si le mec il vient, il pète tout. C'est ça, déjà 50 fois que je refais déjà tout. Alors, bon, je vais te dire, bah les couilles. Là. Ouvre le bouquin, parce que je vais m'énerver. Ouvre le bouquin, sinon je vais te niquer. C'est le moulin qui tourne. Arrête. Ok, c'est bon. Ah, putain de merde, de bordel de merde. C'est bon. Voilà. Allez. Ensuite. Hop. Pssst, hop. Ensuite. Tac. Hop. Tac tac, chut, chut. Arrête les clotois. Ok, tu veux que t'aies le toit? Tu veux vraiment qu'on joue à ça? Ok, on va jouer à ça. Oh putain, tu clignotes, tu fais chier. Voilà, putain, j'ai eu de la chance parce que j'ai pas cuté le pignon. Mais le problème, c'est qu'il est à découvert. Je veux savoir si c'est ça qui fait bugger. Maintenant, le problème, c'est que je peux pas. Si je sauvegarde, bah c'est niqué. Je regarde le trou. Voilà pourquoi j'aime pas faire des trous pour les cheminées. Parce que ça fait toujours un truc dégueulasse et nul à chier. Vas-y, je veux même pas le voir. Je veux même pas voir ça. J'ai même pas envie de voir précisément ça, en fait. Je veux juste que le jeu arrête de me casser les couilles et qu'il fasse ma cheminée. C'est tout. Arrête de laguer. Cette maison, elle devait être terminée ce soir. Parce que j'avais décidé de la terminer ce soir. J'ai pas envie de relancer un live sur cette maison. Mais je vois que le jeu m'emmerde. Il se passe rien dans le chat, vous êtes fatigué ou quoi? Je mets les lumières sur ma fontaine au moins. Arrête, putain. Si on fait ça, comme ça c'est fait. Ah puis ça je devais pas le faire plus haut, bah oui c'est. Putain mais j'ai fait de la merde en plus. Personne me le dit. Bien sûr, toi qui regardes la rediff, tu l'avais dit, mais qu'est-ce que tu veux? T'aurais été présent sur le chat, t'aurais pu me le dire en direct. Voilà, tu vois. C'est pas ma faute en fait. À force de refaire, moi j'oublie des trucs. Hein. Arrête de laguer parce que je vais t'en putain de baffer dans la gueule des hein? M'a saoulé là. Je peux lui en coller 4. Allez, on a comme d'hab les lampes.
rien à foutre du sens là. C'est... Touche contrôle aussi, parce que c'est très chiant. Putain, je vais me mettre en face du mur parce que je vois pas. Bah alors, non, c'est pas ça. Bah pose alors. Tu sais bien que je dois regarder vers le bas parce que tu veux pas mettre la lampe. Sinon, je dois niquer les collisions parce que tu comprends pas. D'ailleurs, je vais faire ça, comme ça, il y aura pas de problème. Faut pas me faire chier là pour une mécanique qui marche normalement. Hein. Bref, c'est un de voler, ça me saoule. Ça me gonfle. C'est chiant, franchement, c'est chiant. Ouais, par contre, je suis trop loin. Ah, t'as gagné, vas-y, tiens, vole. Voilà, regarde comment je galère. Ouais, bah oui, tu voles, c'est chiant. Allez, mets une ici, mets une là, comme ça, on arrête de voler, ça m'a saoulé. Vas-y, sur l'eau. Oh. C'est comme dans la vraie vie quand tu fais un effort physique et que t'en peux plus, tu veux que ça s'arrête. Bah là c'est pareil, voler. Au bout d'un moment, je veux vraiment que ça s'arrête, j'en peux plus. Je suis obligé parce que c'est plus pratique, parce qu'il y a des moments c'est très chiant. Voilà. Du coup, il y a même besoin de mettre de lumière autour en fait. Ça éclaire vachement bien. Après oui, parce que la lune elle est là, si la lune elle est ailleurs... Waouh, wow. Ok, ça va pas changer. Ok, j'ai refait ma fontaine correctement, on va refaire une sauvegarde parce que c'est marrant. Ah ah ah. Un coup de cutter dans le toit avec la perception de distance, c'est de la merde. Donc faudrait que je me mette, je sais pas, collé au toit. J'en sais rien en fait. Puis là, ça y est, il clignote, c'est super, c'est fun, on s'amuse. En plus, j'ai rapt ici le cutter, je l'ai mis en minuscule. Hein. Là, il est en minuscule, le plus petit possible. Bah elle est remplie la fontaine à eau, enfin la fontaine à eau, enfin ouais, enfin là la fontaine elle est finie. Hein. Ah, elle est finie la fontaine, j'ai envie de tout péter hein, parce qu'elle m'a saoulé, elle est finie. Ah, il était parti, bah elle est là la fontaine. Pff, je sais même pas où je cut. Ok, faut que t'es à partir de là. Vas-y, hé. Hey. Arrête de clignoter. J'en peux plus. J'en peux plus. Tu peux pas faire de précision comme ça, c'est impossible. Et arrête de laguer aussi, parce que... Oh putain. Y'a personne, je suis pas connecté, y'a personne. Vas-y. Force pas à lancer le jeu là. Tu m'étonnes, il était fluide au début. Bah ouais, tu m'étonnes. Bah, c'est parce que je venais de lancer le jeu qu'il était fluide. Là, t'as beau charger la partie, il en a rien à foutre. C'est les jeux qu'il faut relancer. C'est comme si tout ce que t'avais cuté là pendant 2 heures, 3 heures, il l'avait enregistré alors que t'as rechargé la partie depuis quoi. Elle m'a chargé galère là, vas-y dépêche-toi. Je vais te niquer là. Et arrête de laguer parce que je vais te niquer. Oh putain. Attends, hop, ok, arrête le speed. Bon, le hole cutter, alors, oh là là, le sens, tout petit et le sens,
Regarde tout petit ce que ça fait. T'as vu le petit trou que ça fait? Et tout petit m'a fait un truc tout à l'heure. Putain, même moi j'ai rien compris. Quoi. Voilà, tout petit. Tout petit, faut enlever quoi? Faut enlever celle-là aussi. Allez, on enlever celle-là. Ah, paf! Ah, faut enlever ça aussi là. Allez, dans ta gueule. Voilà. Tu veux enlever quoi? Tu veux enlever ça aussi? Ah, j'ai pas raté ici le haut cutter à la deuxième fois. Mais non, sinon ça aurait fait un énorme trou de ouf. Voilà, il est content. Même Bioscum il va être content parce que du coup je suis en train de faire un trou dans le toit. Que j'écrive dans le chat pour que je l'explique. Ah non, mais là je peux pas t'expliquer ce que j'explique. Non, c'est compliqué. Sinon, j'aurais fait un forum quoi. Forum The Forest. Alors, pour faire un pignon, à l'écrit. Et puis je vais pas la faire haute, parce que le jeu a l'air d'être casse-couille avec les trucs hauts. Putain, mais si t'aurais ma bite sur le jeu, tu ferais comment? Tu la torderais dans tous les sens. C'est grave, quoi. Ouais, bah c'est bon, pas trop haute, ça veut dire arrête. C'est compliqué de parler avec Bioscu, mais moi parler dans le chat, ça. Bah, je suis en direct, je parle pas dans le chat quoi. Faut qu'un live ça soit dynamique, que ça bouge. Déjà l'autre fois quand je montrais des trucs, j'ai trouvé ça trop lent. Cette chose sur le live, arrête de faire ça, je sais pas où tu t'accroches. Ok, parfait. Voilà, refait encore une fois. Bon là je vais pas faire de trous, hein, t'as compris, là encore moins, t'as compris, parce que là il y a encore ça, enfer et damnation. Alors, un tapis de feuilles là. Putain, qu'est-ce qu'il faut réparer ici? C'était le plancher. Ah, ma barrière, elle a pas été sauvegardée. Bah ouais, c'est pour ça que j'aime pas faire des trucs à côté de trucs et à côté d'autres trucs, parce qu'après tu sais plus où t'en es. Et tu fais de la merde. Ouais, longue barrière ici, longue barrière ici. Ok, courte barrière ici. Tac, vas-y. Tac, vas-y. Tac. Ouais bah ça s'arrêtera là. Comment avez-vous ajouté de l'eau à la fontaine? Bah. C'est la mer. C'est l'océan. C'est ça? C'est l'océan là. Voilà, ici ça. Ah, c'est l'eau.
C'est l'eau de la mer. C'est ça, en fait. C'est, voilà, c'est l'eau de la mer. C'est juste l'eau de la mer. Voilà. Comment j'ajoutais de l'eau à la fontaine. Je peux faire une piscine aussi. Ouais, ici, là, je peux faire une piscine là, juste à côté, là. Mais je vais pas faire de piscine. Puis là, il y a de l'eau, parce que là, parce que c'est moi qui l'ai mis. Bon, je vois ce que c'est ici, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire comme décor. Il est clair, en raison de la distorsion de l'image, il m'a semblé que la fontaine était située beaucoup plus haute que la surface de l'eau. Dommage que ça ne soit pas un bug. Ouais, effectivement, ça serait bien de rajouter, pouvoir de rajouter de l'eau ou faire des trucs. Ouais, après, ouais, l'image, j'ai changé un truc. Et j'ai pas remis comme c'était, c'est ça? Ah, c'est le champ de vision que j'ai niqué carrément. Ah ouais. Ouais, je l'ai niqué l'autre fois, le champ de vision. Après, j'avoue que là, c'est vachement plat. Ah, mais c'est parce qu'il n'y a pas le fog. Et puis parce qu'il fait nuit. Le fog, ça se voit mieux la journée. Arrête de jouer avec le temps. Ah non, ça change pas beaucoup le fog dans le coin. Bah, c'est la qualité de l'eau, j'en sais rien. C'est le jeu qui est moche. C'est juste le jeu qui est moche, en fait. Mais ouais, c'est vrai qu'on voit pas que c'est l'océan, quoi. Puis ouais, l'eau elle est pas pareille, elle a pas la même couleur du coup, avec la roche et tout, c'est stylé. Ouais, une petite fontaine! Bon, la plateforme, je sais pas trop quoi mettre dessus. Alors ici, c'est bon, hein, cette pièce elle est assez équipée, je trouve, moi. Hein. Franchement, c'est nickel. Hein. Après ici, bah, y a des chambres. Qu'est-ce que tu peux faire dans les chambres? Faire des stockages d'armure. Ou l'étage armurerie, je fais au-dessus. Je sais pas. Du stockage d'armure, je suis passé devant deux fois sûrement et je l'ai pas vu. Non mais là c'est du foutage de gueule. Voilà. Je sais pas moi. J'ai aucune putain d'idée pour décorer, je suis vraiment désolé là. J'ai vraiment pas d'idée pour décorer. Je crois que votre maison, là, les abois, elle va rester comme ça en fait. Parce que là, j'ai aucune idée. Après, je vous dis ça alors que bon, j'ai décoré ici avec une fontaine, et je décorais avec quelques poteaux, et j'ai décoré avec tout le jardin, j'ai bien bossé sur le jardin. J'ai fait une fontaine ici, j'ai fait une cheminée, des tables rondes, une cuisine. Petite voiture là, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon, la construction, ça on s'en bat les couilles. C'est facile ça. Ouais, c'est vrai qu'il manque une piscine là. Et puis il manque de la barrière ici et tout. Ça me fait chier de mettre une partie sur Discord qui est pas finie en fait. Parce que là, techniquement, ouais, elle est pas finie, tu vois. Il manque des trucs, hein. Il manque beaucoup de trucs. Hein. Moi, je joue un mur simple, hein, parce que... J'ai compris que j'avais la flemme, c'est ça. T'as compris tout de suite. Et je suis gentil, parce que je t'enlève un bout de merde, là. Ah ok, j'aurais mieux fait de me taire, j'aurais mieux fait de rien faire. Ouais, juste histoire de dire quoi.
pas paraissait. Ouais, ok. Ouais, ça c'est dommage, tu vois. Ça c'est dommage. Il va pas vouloir la queuter. Regarde. Tu vois bien qu'il veut pas la queuter. Ah bah là il veut même plus la queuter, là il a fini. J'ai trop joué avec. Tant pis. The Forest, c'est l'excuse. Ça c'est l'excuse que je trouve à chaque fois. Dès qu'il y a un truc que je peux plus corriger, c'est The Forest. On va continuer du mur. Ils sont bien les tortues là. Hein. Ils sont posés là. Hein. T'as juste de la bouffe au pied de ta maison. C'est pas de la balle ça. Un truc de. Ah putain. Un truc de chasseur et tout avec les l'abattoir. J'aurais dû faire ça ici aussi. Mais bon, il y a déjà trop de trucs ici. Attends, j'ai oublié qu'il y avait ça aussi. T'es mort, regarde, elles vont même sur le plancher les tortues, c'est pas de la balle. Tout ça parce qu'elle veut replonger dans l'eau. C'est pas de la balle. Hein, 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 ça déchire, hein, hein, elle est belle ma fontaine. J'espérais un plus joli truc. En fait, moi j'espérais. Je vais vous dire moi ce que j'espérais en faisant cette putain de fontaine. J'espérais avoir ça. À la place de ça. Voilà, c'est tout ce que j'espérais. Sinon, le reste, c'est exactement ce que je pensais. Et le truc du mur artistique, il faut savoir dessiner avec un mur en pierre. Ce qui n'est pas mon cas. C'est une astuce que j'ai fait il y a très longtemps. Mais en fait, avec le mur en pierre, tu as 20 clics. Donc tu peux faire ça 20 fois. Donc, t'as le clic de départ, que tu comptes pas. T'as un clic, deux clics, trois clics, quatre clics, cinq clics, six clics, sept clics, huit clics, neuf clics, dix clics, onze clics, douze clics, treize clics, quatorze clics. Ah, ils ont. Mais non. Comment ça? Non! Ils ont réduit les clics au fur et à mesure des années? C'est pas vrai? Oh, c'est pas vrai! Oh, les salopes! Oh les salopes! Ça fait des années que je dis qu'il faut 20 clics parce que le jour où j'avais testé c'était 20 mais il y a eu des mises à jour entre temps et tout. Oh, vous êtes des salopes! Ça fait 1, 2. Attends, non mais c'est pas possible. Vas-y, on compte le premier aussi. Allez, 1. Même s'il compte pas. Ah oui, 2 avec celui-là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah, effectivement. Effectivement, il y a 16 ou 17 clics. Je sais plus si j'ai compté le tout premier. Mais... Oh putain, il y a un mec. Oh putain de bordel de merde. Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Non, c'est bon. Je suis la seule partie, donc forcément, il va venir ici. Mais bon, faut l'avoir à l'œil. Et donc, pour faire un mur artistique, il faut un mur qui fait moins de 18 pierres. Donc, un mur de 18 pierres, c'est... Ça, c'est un mur de 11, un mur de 13, mur de... il y a le grand 13, il y a le mur de 17 et le mur de 18. Voilà, un mur de 18 pierres, ça ressemble à ça. Mais il faut le faire vraiment ici, parce que si tu le fais long comme ça... Ça fait un double mur de 9. Voilà. Et si tu fais un double mur de 9, le mur va pas voler. Exemple. Hop. Si on fait ça. Et là, on fait un double mur de 9. Tu fais ça. Il se met à faire un arche en fait. Et il vole mais en arche, c'est nul. Et du coup là, tu peux faire des dessins comme ça.
Bah, tu dessines ce que tu veux. Par exemple, t'arrives, tu fais ça. Un poteau pour faire tenir le tout. Le dessin que tu veux faire. Voilà, tu fais le dessin que tu veux faire. Et tout. Okay. Alors, par contre, tu as une limite de pause, ça c'est dommage, tu vois. Donc pour reprendre, il faudrait faire autrement. Rien. Pour faire ce genre de dessin que je veux faire là, il faudrait faire un poteau ici. Tu descends comme ça. Hop. Voilà, après je refais un poteau au même endroit. Comme ça, ça fait qu'un poteau pour le même dessin. Tu peux faire un grand dessin en fait si tu pars du même point à chaque fois. Tiens, tu fais comme ça. Voilà. Oh putain, ça lag. Qu'est-ce qu'il est en train de faire lui? Voilà. Puis après, bah, je le suis comme ça. Tac, tac, voilà. Voilà, tac, ça c'est là. Tu fais ton poteau. T'enlèves tout. Hop, tu mets tes deux poteaux. Tu montes à la hauteur que tu as envie de monter. Là, il fait n'importe quoi, je vois. On va enlever tous les murs. Ah, tac. Tac. Et là, t'as le dessin que tu veux. Ça, c'est ma bite. C'est pas marrant. Mais voilà, c'est, tu fais le dessin que tu veux après. Je voulais faire ça sur la fontaine au début, mais je me suis dit non, pas faire ça quand même. Putain, mais c'est vraiment puéril, quoi. Franchement. Mais bon, ça, c'est pour faire rire les enfants. Vous savez, il y a des enfants sur YouTube. Faut les faire rire. Et les pénis, ça les fait rire, quoi. Bon, alors, c'est quoi le bordel, là? Vous regardez ma partie? Eh, comment on ouvre le Toki, là? Putain, il n'y a pas de Toki. Je l'ai enlevé. C'est quoi, ça? Ah oui, c'est vrai, j'ai mis ça sur un autre truc. C'est ça, le Toki. Eh, bande de survivalistes, là! C'est quoi ça? Je suis la seule partie ouverte, eh ouais, hein. Et vous pouvez pas me bannir, parce que c'est ma partie. Tu veux voir une baraque de ouf? Je suis architecte The Forest, t'es pas français? Tant pis pour toi. J'ai peut-être désactivé les sons, parce que j'avais entendu des kids parler, là. Microphone, effectivement. C'est la maison pour mes abonnés. Et ouais, t'as vu, j'ai une chaîne YouTube, t'as vu, je fais de la pub. De toute façon, vous êtes pas français. Oui, bah oui, je sais. Vas-y, viens, 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 regardez, j'ai fait une fontaine. C'est de la balle. Hello. Salut, allô, hello, hi. Hello, hello. Do you speak English, please? No, sorry. You are from Baguette? Non, je suis français. Look. Hier, hier. La merde, pétain, salopard. Bah ouais, la Macron, ce fils de pute. Macron, c'est un enculé. Macron, la crevure, là. Macron, la merde. Ouais, ouais. Macron, la sous-merde. Tu vois, les autres pays nous détestent. Parce que Macron nous donne une sale image du pays. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Garam. C'est pas mon vrai prénom. Garam. Mais je me suis Garam. Je vais pas leur donner mon vrai prénom alors que mes abonnés ils le savent pas. Ça a pas l'air d'être des cheaters. Oh, ils vont être contents là, de voir la belle maison. Tu vois, Macron, il a l'image de merde qu'il donne du pays. Et avec tous les pays, le mec, il fait ça. Hein. En fait, le gars... pendant... Garam. I am coming. Ok. Je m'appelle Christian.
En fait, pendant qu'il était sous Hollande et Sarko, le mec, il a ruiné le pays. Il a ruiné toutes les industries, tout machin, tout. Et vu qu'il n'y a plus rien à détruire, maintenant, il détruit la réputation de la France. Le mec, il était même pas président, il a réussi à détruire le pays. En quoi 5, 10, 15 En 15 ans. T'as vu ce qu'il a fait en 15 ans? Et là, sur les 5 ans qui lui restent, il faut qu'il détruise la diplomatie. Et après, il aura tout fait. So, il sera content, ce fils de pute. What are you doing, guys? C'est pareil. Qu'on vienne pas me dire que les États-Unis, ils ont pas préparé leur guerre contre la Russie depuis des années. Tu crées l'Europe, nickel, tu rassembles tous les pays, hop, tu déportes tout ce qui est industrie à l'est, le plus près de la frontière, tu mets des bases tout autour de la Russie. Oui, viens me dire, ça fait pas 50 ans que tu prévois ton coup. Je joue à des jeux de stratégie militaire, je suis pas con. Galan, tu es from Marseille? Non, Paris. Je fais exactement la même stratégie, moi. J'entoure l'ennemi, je fais une frontière autour de l'ennemi, je pose toutes les armées, puis après j'attaque tout d'un coup, de tous les côtés. I like Marseille, Nice. Ah ouais, lui il a compris. Lui. Il a trouvé un chemin secret, dis donc. La porte, elle est là. J'ai sauvegardé, mais on sait jamais. Je bouge. Wow, this is a beautiful house. Ah, ils ont kiffé. Thank you. Do you like fight? Wait now, bro. Par contre, là, il a commencé à me parler. Je comprends pas. Luke, moi je suis AFK. Galan. Oh putain. Oui. Do you like fight right now? Hein? Non. Do you like fight? Non, 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 non. Why? Why? Come on, bro. Come on. Ok, vas-y. 1, 2, 3. Here we go. Ça lag. J'ai bien fait de désactiver la destruction. En fait, quand je mets un gros coup, ça s'annule dès qu'il me tape. Et lui, il a un DPS de ouf avec sa truc là. Ah, le PVP dans le jeu, c'est hard. On a franchement trop de PV. Quoi. Après, il lag peut-être plus que moi. Hein. Garan. Allez, allez, tombe. Il veut tomber. Tu veux pas tomber? J'ai pas d'endurance. Et il est full PV ou quoi? C'est quoi? C'est un cheater. Hein. Moi j'ai enlevé le god mode. Hein. Ah, non, 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 2v1, what the fuck? C'est du 1 contre 1, j'ai envie de le laisser gagner. Parce qu'il est en train de mourir là, mais j'ai envie de le laisser gagner. C'est horrible le PVP dans le jeu, c'est vraiment de la merde. Oh, je suis mouru, faut que je revienne. Goodbye, Garan. I am sorry, bro. Fuck. Non, 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 non. Ah bah il avait plus de vie, t'as vu? J'étais sur point de gagner. I need a medkit, bro. Je l'ai laissé gagner, quoi.
Hop, on se mettre le god mode là. On va mettre le speed, ok, le fly, ok, on va revivre le player. S'ils sont morts, ah non, c'était mon cadavre que je voyais, ok. No clip, merci. Garam, je suis algérien. Ah. Fils de pute. Tu m'étonnes qu'il aime pas Macron. Can you hear me, Garam? Are you here? Tiens, du soin. Hey, there's somebody outside without a name. Mais après, y a pas grand chose à regarder, c'est dommage. C'est surtout la maison qu'il faut regarder. Ils ont pas été dans le jardin, là? Ouais, je veux qu'ils aient dans le jardin, moi. Je veux qu'ils voient ma fontaine. Ah, il y a une fontaine à l'étage aussi. Ah, ils ont vu. Eh, y a un autre mec. Eh, y a un autre gars. Eh, y a un cheater. Il a vu la fontaine. Elle est belle, ma fontaine, hein, à vous. Ah, y a un autre mec, là. Il a le cheat. Pour pas afficher son pseudo, il a le cheat. Parce qu'il y a un mode dans le cheat qui permet de pas afficher son pseudo. No fight. Mais bon, après, moi j'ai sauvegardé. No fight. Ouais, bon, bah les couilles, j'ai sauvegardé. Stop it. Bad boy. Je suis la seule partie du jeu là, les pauvres. What, bro? Ils savent pas où aller. What? You are from what? Where are you from? I'm from Romania. Romania! Ah. Nice. Pays de l'Est. Thank you. Pourtant, il a l'air d'avoir un accent français, le mec. Étrange, hein? Il y a la distinction, tu peux pas tout péter. Seul un cheater peut balancer le verre. Mais le verre ne pourra pas tout péter. Et de toute façon, j'ai sauvegardé. Et si vous voulez que je pète tout en un coup, vous vous mettez à laguer et vous sautez de la partie. Vous avez vu un peu? Je peux vous expulser sans vous expulser. La classe, non? Ah, oh, c'est franchement cool. Hein. Et avec ça, vous voyez que cette technique, on peut faire des piscines. Faut mettre la plateforme plus bas, après faut monter les murs, tu fais une piscine avec la forme que tu veux, tu peux faire une forme arrondie et tout. Ça peut être cool hein. Si un jour je refais une maison, je ferai une piscine dedans. Ce sera une maison dans la neige, où il y a le lac. Et je ferai une piscine. Hey mon ami, donnez-moi la bière. Du coup ça, c'est l'idée que j'ai eue pendant que j'étais en train de me regarder faire la fontaine là-haut. J'ai eu cette idée. Magnifique. J'en suis très heureux. En plus, ça a l'air plus symétrique que l'autre. Non, c'est F6 la tête, ouais. Ça, c'est pas mal hein, pour faire des génériques. Hein. Après, t'accélères l'image au montage, légèrement. Parce que si t'accélères là, c'est juste infernal. Mais par contre, faut pas bouger. Hein. Tu fais ça, hop. Faut être patient hein, pour faire un générique. Mais bon, la première fois, je l'avais pas fait comme ça. Mes deux premiers génériques, mes deux seuls génériques, je les ai pas fait comme ça. Et je les ai fait comme ça. Avec le personnage, carrément. Et je mettais des accélérations moi-même. Et des fois je faisais juste des passages comme ça. C'est bon, ils sont partis? Je peux. Non, ils sont encore là. J'ai pas envie de les virer, les pauvres. Ils sont cachés, je les vois pas là. Je vais surveiller les enfants.
Ok. Surveille les enfants, là, hein. Ah oui, par rapport aux arbres, faut que je les fasse repousser. Voilà. Mais bon, je lancerai la sauvegarde et je les ferai repousser, mais je voulais voir ce que ça donne. Parce que la partie, elle sera comme ça, avec les arbres qu'on poussait et tout. Franchement, c'est cool, hein. Moi, j'aime bien, là, avec l'ombre et tout, c'est pas mal. C'est vrai que ça manque de lumière ici, mais bon, c'est compliqué de mettre des lumières. Vous mettrez vos lumières, hein. Après, faut que je recharge la partie et tout, pour voir si la cheminée elle fait pas de la merde, encore une fois. Les arbres ont repoussé d'un coup. What you doing, bro? What the fuck? Where you going? Je sais pas que je suis un cheater. Et en plus, je me suis mis invisible parce que je me suis baissé, donc je voyais pas mon pseudo. Fucking ninja, maybe? Mais du coup, s'il y a personne sur son jeu, je peux ouvrir mon labyrinthe 3, non? Let's go, non? Je peux en profiter! Je peux en profiter! Je vais ouvrir un peu, voir ce qui se passe, s'il y a des gens ou quoi. Vas-y, vas-y, avant que... Labyrinthe 3 est bien. C'est toi qui lag le moins. J'aurais dû écrire Maze. Je suis là, Maze.